Les gars, nouvelle vidéo, devinez où on est, je vais pas vous dire. Indice, Ratatouille. Retour à la maison, les gars. Linguini, allez. Regardez, il y a même la musique de Ratatouille qui m'accueille. Bon, voilà, les gars, nouvelle vidéo. Chose promis, chose due. Rendez-vous, les gars, j'espère que vous serez au rendez-vous demain. Yo, un peu le pari, on est en 45, les Américains sont arrivés et on célèbre la libération. Suivez-moi. De retour à la capitale. Est-ce que je fais l'annonce maintenant? Ou alors, les gars, je fais la big annonce en fin de vidéo pour le Watch Live. Non, il l'a dit, il l'a dit. Énorme annonce qui va peut-être bouleverser le YouTube game français. Et je pèse mes mots. Salut, c'est Paris. Pour ceux qui connaissent un peu la magie, je vous emmène dans le magasin de Duvivier. Vous aider à traverser? Bah bien sûr, madame. C'est ici que la magie est née à Paris. Pas du tout. Aucune idée. Few inches later. Première déception du voyage. Je rentre dans le magasin, je suis souriant. Bonsoir monsieur dame, c'est ici la magie? Parce qu'en fait, eux dans ce magasin et dans beaucoup de magasins de magie, ils font des tours devant vous en fait. On va laisser passer madame, je vous en prie. Bonne journée. Moi je suis en mode, vas-y, on va ramener la cam et... Il filme absolument pas. Attends. C'était super belle. Et je rentre dans le magasin et les gars, qu'est-ce qu'il me dit? Non, contactez la direction et tout. Mais enfin, je dis la direction, c'est pas vous. Du coup, tout ça pour dire, les gars, j'ai pas pu vous filmer à l'intérieur du magasin, donc big déception. Sur ce, n'allez pas à ce magasin parce qu'ils m'ont saoulé en fait. Bonjour, viens un petit mot. Un petit mot pour YouTube. Je vous connais. Ah ouais, tu vas bien la vie? Ça va. Bah, très bien, très bien. T'appelles comment? Noah. Noah, ok. Toi, t'es un crack, toi. Ah, je sais, ouais, d'être un crack, toi. Faut ce qu'il faut. Combien de numéros là aujourd'hui? Ah, une petite santé, là, ah, tu ouais. Me connais. Même pas, on vient d'arriver. On vient de se lever là. On vient de se lever, on est sorti hier. Merci, c'est plaisir. Hein. Merci. Salut les gars, bon courage. Timer, toi aussi. Alors voilà, c'est ça. Voilà c'est pourquoi, les gars, je pense à venir à Paris. Parce que Paris, les gars, en mode c'est sale et tout. Enfin, genre, il y a plein de monde, c'est un bordel. Mais, t'es là, tu marches, y'a un gars. Oh, tu vois, ça te communique, y'a du monde. C'est vivant, genre, tu te fais paillèche. Oh là là, ça me fume, les gars. Putain, c'est incroyable. Les gars, je marche. Qu'est-ce que, comme quoi? Qu'est-ce que je disais à Nico? Il n'y a pas de hasard. Et quoi, c'est qui là? Tout ça, c'est dans le club, ça? Tout ça, c'est dans le club. Putain, lui, ça me fait rire. Il vient de faire un stand day. Et un peu. Là? Mais non. Ah, là, dans le grid. Eh, coquin, va ici. Can give me... You have nothing to offer. Maybe a sip of wine. You like red? I like all kind of wine. Okay, I'm a French guy, of course, I like... Let's see the Kate. She has beautiful eyes. Look, look, look. Kate? Cast. Wow. Do you believe in magic? No. Okay, super, Anna. Repeat the card. Show to your friends. How many guesses do you give me to find your card? One. I'm not going to talk to you anymore. No. I don't want to. I'm going to blur your face on the YouTube video. Okay. Oh, God. 1, 2, 3. Viva la France. This is your card. No sip of wine for you. Wait, not your card. A jack of hearts. Oh. How'd you do that? I guess you do get a sip. Okay. A sip. 14. Oh, yes. Gonna be drunk in very soon. Can I put my lips on? You're not sick, are you? Never. Ah, c'est de la piquette. How do you say subscribe? Yeah, you can tell. Sus la schneck. Sus la schneck. Quacoube. 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 What does that mean? Are you making me say something dirty? Maybe. Why is he laughing? A French word to say, I like you. Oh. Yeah. Dang, we're dance majors. No way. Ballet. Ballet. Oh. Okay, third position. Can you do a little, I don't know, pas de beret? Hey, Hannah for the pas de beret. Oh, oh, sheesh. I can do that. I can do that. Yeah. Will I déchirer my pants or not? Okay. 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 Yeah! And then behind you. Arabic. Arabic. Hey! L'heure est arrivée. Rendez-vous abonné. Dirige vers le Panthéon. Ok, absolument personne, nom de Dieu. J'en ai que deux, j'arrête ma chaîne YouTube. C'est des chefs. Nom de Dieu, une armée. Nom de Dieu, le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, oh là là. Oh là là, tout est pire. Ça va, je sais ça perd. Putain, les boss, ils sont trop. On brille au roi. Nico. Oh, le boss, oh putain, il est énorme. Oh, le boss, oh là là. Putain,
c'est Paris ou pas? Pas Paris. Oh le gros, qui nous a des clips? On monte une armée. On monte une armée, c'est pas fini. C'est pas fini, on ne s'arrêtera jamais. On va prendre la Bastille, mon pote. Un coup, ils sont arrivés, gros. J'ai pas capté, ils sont sortis de je sais pas où. C'est pour WAM? Ok. On est deux pitchers. All together. Ok. Guys, we all do the double biceps. Les gars, à 3, on est tous 10. 3, 2, 1. 10. Je t'ai pas salué. C'est vrai. Avec comment? Bruno, ça, t'as des cartes? Ouais. Ok. Major, tour. Vas-y, si je veux. Moi, je dis un peu plus de challenge, tu vas pas le faire à WAM. Ah ouais, à deux fois. Tu vas le faire à Lego. Manon, j'en avais une retournée. Ah merde, non, t'inquiète, pas la triche. Et voilà, le tour est foutu en l'air. Si t'es sûr, prends la carte, mais la montre pas, retiens-la bien. Enfin, bon, fais ça. Tu fasses ton tour ou pas? Non, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Tu me laisses du coup combien de chances pour retrouver ta carte? Une chance. Ok, pas mal. Tu vois ça? Non. Tu as trois carreaux avec ta main, vas-y, retourne. Fais un bisou sur sa main. Ok, regardez, vite le cœur, il s'est envoyé dans sa main. Ouais. Non, mais mon L il marche plus sur mon clavier. Ton M marche plus? Mon L il marche plus. C'est fou ça. Bah il est tombé par terre. Mais comment ça, c'est un smartphone? Complètement bourré. Ouais. Il est chaud. Bon les gars, on est en train de réunir une armée. Salut. Tu vas bien? T'appelles comment? Mathis, et toi? Mathis, Elie, du coup. Ouais, logique. Je lâche un petit discours de motivation, quoi. Allez, vas-y, je me fais un vrai discours là. Oh, l'équipe, mais putain, c'est incroyable ça. Je dis, vous faites un gros truc, genre en mode saline comme à l'armée, bam, plus petit ou plus grand. Non, mais on fait plusieurs colonnes. Ouais, plusieurs colonnes, genre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comme tu, les officiers, les. Super, je t'ai pas serré la main, tu vas bien? T'appelles comment? Samuel, enchanté. Je t'ai pas serré la main, toi non plus. Oh putain! Bon, les gars, on est réunis au Panthéon. Lisez au-dessus de vous. Aux grands hommes, la patrie. Ok, mec sait pas lire, il a le bac demain, ça va être chaud. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, mon père disait toujours, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Bravo. Hey, c'est de l'impro. C'est pas fini. C'est pas fini. Ok, on a des hommes qui rejoignent nos rangs, parfait. Mets-toi dans les rangs, t'es en retard. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mets-toi derrière. Les gars, aujourd'hui, ça marque le début de votre nouvelle vie. Une vie faite de courage, d'honneur, de bravoure. Mais le faites pas pour vous, et le faites pas pour moi non plus. Faites-le pour ces hommes d'honneur qui sont morts pour la patrie. Peu importe votre couleur de peau, votre religion, votre appartenance politique, j'en ai rien à foutre. Nous avons un même but, se dépasser, devenir la meilleure version de soi-même. Notre but est commun, notre ennemi aussi. Il veut nous voir à terre, faibles, lâches. Nous allons leur prouver le contraire. Aujourd'hui, messieurs, vous allez faire honneur à ces hommes. Et en faisant honneur à ces hommes, vous allez à votre tour devenir des hommes d'honneur. Je lis dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir où l'âge des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis, perdrons tout espoir. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, messieurs, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, par la force de vos bras, par la sueur de votre front. Deux petites gadgets qui arrivent, mon ref. On les intimide. Donc je recommence, bordel de merde! Par la force de vos bras, la sueur de votre front et le courage de votre cœur, force et honneur. Quel est votre métier? Si vous n'êtes pas dispo ce soir, franchement déjà, ça me fait plaisir que vous soyez venus et tout. Ce soir, s'il y a des gens chauds, moi je vais sortir de toute façon. Du coup, si vous êtes chaud, on sort ensemble. Et franchement déjà que vous soyez là, même si c'est pour 5 minutes, vous êtes franchement des refs. Bon les gars, on y va. Allez. Les gars, elle veut qu'on le refasse. Elle veut qu'on le refasse. Au sens. Je m'appelle Sylvia. Nice, Sylvia. Comment ça va? Ça va très bien. Instagram? Non, I don't. Plus, c'est votre nom. Plus, yep, 6. What's your name? Ellie. Ellie? Ellie. Yeah.
Beautiful. All right, that's my number. You can save it, okay. And you can miss the trip. Eli from the Pantheon, yeah. In Paris. Eli from Paris. Yes. Have a nice trip. How old are you? 22. He's 22. 22. Je sais pas si tout le monde nous a suivi. Quand on va arriver en boîte comme ça, ils vont rigoler. Mais si vous êtes chaud, à un moment vous arrêtez ou je sais pas, vous voulez partir en mission, vous dites oh, capitaine, le capitaine. Voilà, Vitaille. Les gars, partez en mission là. Je veux voir des binômes. Deux par deux, bam bam. Ok, venez ici avec ta soeur, viens. Là, la meuf, il y a une meuf en rose et avec un jeans bleu. Mais allez, tu lances les fleurs, tu lances les fleurs. Ok, c'est bon. On a du ravitaillement, les gars. C'est un beau. Hey, courez, faites des binômes, trouvez votre binôme. Un mec qui est prêt à mourir à la guerre avec vous. Si vous connaissez pas, vous faites connaissance. Yo, super. Voilà, ils partent à l'action. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Seb, c'est Seb. Non, les gars, on est là pour le respect avant tout, bien sûr. Je croyais pas qu'on envoie des gars pour commencer à harceler les meufs. Okay. Toujours dans le respect. J'ai deux soldats. Ouais, j'y vais tout seul ou avec mon binôme? Va avec ton binôme, Voilà, on envoie les gars. Là, c'est. C'est hyper cramé, mais j'adore. Ça me tue. Ça regarde, on a deux gars là, un gars là, un gars là-bas. Il y a des opérations en direct. En tout cas, moi, genre ta chaîne, je la suis trop pas pour la drague. Je la suis parce que t'as un état d'esprit, mec. Ouais, c'est incroyable, tu vois, genre de toujours se dépasser, de pousser ses limites. Parce que ça fait pirate un peu, tu vois, tu pars à l'aventure et tout. Tu peux, genre, à un moment te dire, ouais, putain, là, je suis pas dans le mood, je vais pas aller parler. Mais si ça fait deux ans que tu te dis ça, bah, en fait, tu vis ta vie à côté, t'auras des regrets. Et franchement, tu tires des excuses et là, moi maintenant, j'ai plus peur des regrets que autre chose. Les échecs, j'en ai rien à foutre. Et tu vas le faire 100 fois, tu vas le faire 1000 fois, et à un moment, à la 1001ème fois, tu vas avoir un truc de fou, tu vas trouver soit la femme de ta vie, tu vas faire des... Tu vois, c'est comme ça qu'il faut... Et la vie, si tu vas pas chercher tes trucs, rien va t'arriver. Surtout en tant qu'homme. Et c'est pour ça, en mode, c'est bien qu'on serre un peu les coudes, qu'on se réunisse, qu'on voit qu'il y a plusieurs mecs dans cette même mentalité. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, parce que je pense, les gens ils disent, ouais, comme tous les mecs sont des fiottes, aujourd'hui c'est facile d'être un homme. Et du coup, il suffit de taffer un peu, et du coup, tu vas te démarquer. Mais moi, je suis pas d'accord. Justement, parce que tous les hommes aujourd'hui sont lâches, d'autant plus dur d'être fort. Imagine, on vivait maintenant tous à Spartacus. Enfin, tu vois, on est tous des gladiateurs. Bah, forcément, tu vas naître, tu vas devenir un gladiateur. Si maintenant, nous, on est tous millionnaires, et toi, t'es pauvre, bah, à un moment, forcément, tu vas savoir faire des thunes. Mais là, si maintenant, t'es dans un environnement, tu prends le métro, tu vois des enculés qui sont sur leur téléphone, qui osent pas parler à une meuf, qui osent pas regarder une meuf dans les yeux, entouré de ça constamment, bah, toi, à ton tour, devenir fort, ça va être hyper dur. Parce que tu vas vraiment créer ton propre environnement. Et c'est pour ça, il y a plein de gars, ils sont isolés, ils sont en mode, ok, je dois me dépasser, je dois me dépasser, mais c'est ultra dur. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réunisse, même si on est peu, tu vois, faut qu'on soit conscient qu'il y a des gars qui ont cette envie de se dépasser, parce que notre environnement nous le permet pas. Et je suis pas là pour dire, ouais, les meufs, elles ont la vie facile, elles sont la coule douce, elles ont d'autres problèmes. Mais nous, on a aussi des problèmes, on a aussi des barrières, des trucs à affronter, et qu'à un moment, il faut se bouger le cul, parce que rien va t'arriver. Là, ce qu'on fait, c'est du travail. Pour plus tard, lorsqu'on aura 30, 40, 50 ans, ben on sera des vrais hommes de caractère, des vrais hommes d'honneur, comme j'ai dit devant Panthéon. Je faisais en mode sous le ton de l'humour, c'est de la blague. Faut savoir se prendre pas trop au sérieux non plus, tu vois. Il y a des moments où faut savoir rire, il y a des moments aussi dans sa vie où faut être en sérieux. Ma vie, c'est sérieux, j'ai qu'une seule vie. Et les gens, ils ont trop tendance à l'oublier qu'à un moment, si tu ne bouges pas le cul, bah, ta vie, elle passe. Et je suis sûr, on est tous à 1% de nos capacités. On nous met tous, il y a 3000 ans, en fait, on était en short, on avait tous des quadriceps, on devait tuer le mammouth, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, on est là, on marche à Paris, on est comme ça, comme des fils de pute. Mais tu vois, non, mais c'est vrai, à 80 ans, il y avait la guerre. Concrètement, en fait, il y avait des nazis, il y avait la Gestapo, tu vois. On devait se planquer, on devait commencer à buter les mecs. Aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? C'est des meufs de 50 kilos. C'est quoi ce bordel? Enfin, c'est des meufs qui ont des crop tops. Vous avez vu cette nouvelle mode? Les meufs, elles ont des trucs hyper courts, on voit leur string et nous, on panique. Alors que nos ancêtres, ils ont tué des mammouths. Mais non, mais c'est pas possible, gros. Tu vois des mecs comme Napoléon, les mecs, ils ont levé des armées. Mais c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. À un moment, il y a un mec, comme nous, il avait deux bras, deux couilles, et il a levé une armée, le gars. Et nous, on est là, on est dans le métro, et on panique parce qu'il y a une meuf qui nous a regardé. Non, mais c'est pas possible. C'est d'autant plus dur d'être un homme parce qu'on doit être bon sur plein de trucs. Tu dois être fort, tu dois être intelligent, tu dois être drôle. Une meuf, elle acceptera pas que tu sois sale. Tu dois être musclé, tu dois avoir de la culture, tu dois connaître des gens, connaître des endroits, tu dois pouvoir entrer dans un restaurant, te dire ouais, je connais le videur, des trucs comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est hyper dur d'être un mec. Et donc là les gars, surtout comme on est jeune, c'est le moment où on doit foutre le vrai travail. Maintenant qu'on doit se bouger le cul, c'est maintenant qu'il faut se mettre dans des situations d'inconfort. C'est maintenant qu'on doit prendre des rejets. Et là, tu vois, vous avez été parler à Dego. Elles vous ont dit non. C'est ce que je dis d'ailleurs quand je fais des coachings. Pense pas à la meuf, pense à plus loin en fait.
Là, tu vas pas voir la meuf de ta vie, en fait, frérot. T'as 100 euros sur ton compte, me parle pas de femme. Tu prends encore le métro, commence pas à dire je veux fonder une famille, tu vois. Si t'es pas né riche, si t'es pas né ultra BG, si t'es pas né ultra charismatique, ultra drôle, en fait, tu vas devoir travailler. Dans la vie, il y a trois façons de s'en sortir, c'est travailler, travailler et travailler. Et c'est tout. Et en tant qu'homme, c'est d'autant plus vrai. Parce qu'une meuf, maintenant, elle peut faire des thunes, elle fait une photo de ses pieds, elle met un peu de maquillage, c'est terminé, elle se fait un salaire d'un député. Non, mais c'est vrai. Nous, en tant qu'homme, c'est pas possible. À un moment, on doit faire du networking, on doit aller parler à des meufs, on doit se prendre des rejets, on doit se prendre des râteaux, et on doit se battre, et ça, c'est la vérité d'un homme. Vivez votre vie et dites-vous chaque jour, est-ce que là, je suis fier de moi? Est-ce que j'ai été dormir et j'ai pas eu de regrets? Est-ce que j'ai puisé toute la puissance que j'avais en me levant le matin? Donc là, les gars, on est jeunes, c'est maintenant qu'on charbonne, et c'est plus tard qu'on se repose. Lorsqu'on va se quitter ce soir ou demain, je veux que vous fassiez des pompes, je veux que vous allez parler à des meufs, je veux que vous vous dépassez, je veux vous dites, putain, je m'en fous du regard des gens parce que les gens, encore une fois, c'est des fils de pute dans une société de fils de pute. Donc maintenant, est-ce que vous avez envie de devenir un fils de pute? Maintenant, les gars, montrez que vous êtes des hommes d'action. Et je fais pas ça pour moi. Moi, je m'en fous. Moi, je fais ça pour vous, honnêtement. Je fais ça par pur altruisme. J'ai coaché des mecs, ils avaient 30 ans et ça me rendait honnêtement triste. Genre après, je rentrais chez moi, j'avais la boule au ventre parce que le gars, il avait 30 ans, il avait jamais fait l'amour avec des femmes autres qu'avec des putes. Toi, il sentait étriqué dans sa masculinité, tu vois. Soyez grand, soyez fier. Je suis Van Damme. Allez, bam. Non, mais c'est vrai. Là, ce que je fais, il n'y a rien d'inné. Le plus important, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Les bras, la mâchoire, le nez, ton argent, c'est faux. C'est vraiment ce que vous avez là-dedans et le reste va suivre. Donc changez votre mentalité, changez comment vous voyez le monde, comment vous voyez les choses. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme trace, comme héritage? C'est l'héritage en fait. C'est vraiment ça le but en fait, c'est de se dépasser dans tous les aspects de la vie. Donc, voilà les gars, likez la vidéo. Ça va nous abonner les gars. She got me booze right now. Mama told me to stack my chips, feeling like I can't lose right now. I see niggas keep playing these games, they must gotta confuse right now. Straight to the top, there's no one gonna stop her. I'm gonna fool right now. Yeah, yeah, look, what do you do?